Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous pour cette cérémonie de clôture de Huawei Seeds for the Future, ou en français Graines du Futur. Ce programme qui est à sa 8e édition, puisqu'il a commencé en 2016 en Tunisie. Et dans ce programme, on essaye de mettre la lumière sur l'élite tunisienne, l'élite des étudiants tunisiens dans le secteur des technologies d'information et de la communication. Ce programme, il est développé sous la tutelle du ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche scientifique. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir d'avoir Monsieur le ministre Simon Sfbouktir avec nous, ainsi que l'ambassadeur de la République populaire de Chine, pour clôturer ce programme qui a duré une semaine, à travers lequel les étudiants ils ont pu découvrir des nouvelles technologies, découvrir la culture d'entreprise, découvrir la culture chinoise, interagir entre eux, développer des projets, développer des idées, se connaître encore plus, et sachant que ce n'est qu'une première étape, parce que la prochaine étape, ce sera aussi une mise en relation avec l'élite de chaque pays au monde pour un réseautage, pour un networking, pour une expérience unique qui va peut-être changer leur vie dans le futur, et que à ces étudiants-là, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance, et qu'on est vraiment très fiers d'eux, parce qu'encore une fois, ils mettent le drapeau de la Tunisie très haut, et on l'a remarqué dans toutes les années précédentes, le niveau éducatif en Tunisie, il est extrêmement bon, et du coup, c'est très encourageant, et c'est le capital humain qui va faire la différence, et c'est la vraie richesse de la Tunisie. Donc, on a un team cloud. Plusieurs technologies. Ça a été vraiment top. J'ai été aux deux de l'équipe de TECAP dans la compétition de Huawei. Nous sommes dans la phase internationale, donc le Global Final, où nous avons le second prize. Donc le Huawei ICT Competition est une compétition technique qu'on fait Huawei tous les ans pour le niveau des étudiants et des technologies différentes. Merci Huawei pour l'opportunité et l'insight qui m'a permis de partager et de gagner. Merci.